Travail spécifique de gainage postural. Donc toujours avec les prérequis, le bassin préservé, le travail d'expiration, on va dégonfler le ventre à l'image d'un ballon qui se vide de son air de manière à rentrer le ventre au maximum. Donc on va s'installer ensemble, nous dessinons un triangle, mais là cette fois-ci pour le coup, nous passons tout de suite, jambes tendues, le bassin en rétroversion, j'ai serré les fessiers, et on se concentre ensemble sur ce travail d'expire et de rentrer de l'autre. Passons 20 expires profondes. 5. 11. Les yeux vers les pieds. On pousse sur les coudes pour arrondir. Et on relâche. Nous récupérons ensemble. Allez, je place mes deux bras tendus, les deux voûtes plantaires collées et très simplement, à chaque expiration, on exagère un peu l'ouverture en essayant de coller le genou gauche et à l'expire suivante, le genou droit. Très souple, le bassin bien délié. Et on en profite pour récupérer, bien évidemment. Hop, on respire, on relâche complètement le bassin. Ouverture à gauche. Ouverture à droite. Hop. Nous reprenons. Ensemble, j'espère que vous avez récupéré. Moi, je pense que ça va. Nous partons ensemble. Deuxième petit mouvement de gainage. Il va falloir venir positionner le bassin en rétroversion et marquer cette rétroversion quand on expire. Nous sommes donc positionnés ici. Et à chaque expire, 3. Les fessiers, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, allez, 4 derniers, mouvement, allez, on va exagérer un petit peu la contrainte d'effort ensemble, vous allez me placer 20 relevés de genoux en alternant jambe droite et jambe gauche, top, 1, allez, vous suivez, hop, on est placé.
et au revoir.